Donc, salut tout le monde. Aujourd'hui, je fais une vidéo en deux temps. Donc, un temps coiffure, c'est d'ailleurs maintenant. Et le deuxième temps, ça sera le maquillage. Donc, on va commencer par la coiffure. La coiffure, ça va être simplement avec deux, trois outils. C'est ça, une pince crabe naturelle, quoi. Un élastique et une brosse. Vous aurez besoin que de ça. Regarde-moi ce qu'on a qui marche. Ah, puis aussi, j'allais oublier, mais il y a un petit minou. Son minou. C'est mon minou à moi! Donc ça, c'est la fille qui a fait les premières vidéos, et puis bon, moi, je suis celle qui suit. Voilà, Aïe, donc, aïe, pour commencer, calme-toi. vous allez faire une queue cheval haute. Assez Là, haute parce que pas trop parce qu'après le cheveu il va voilà. vous tomber dans la gueule. Okay. Voilà. Donc pas trop haut parce que regardez, hein, je n'ai pas fait trop haut. J'espère pas. Donc voilà. Voilà. Donc, hein. Vous prenez votre pain, vous prenez tout votre pain en intégralité, attendez. Voilà, comme cela. Vous prenez votre pain et voilà. Donc c'est pas trop bien mis, mais ça veut dire que c'est mou. Voilà. Donc ça maquille, c'est une coiffure pour le collège, je la fais pas souvent parce que en général je prends pas trop. Et pour une fois, c'est pas trop mal. Bon après vous aurez besoin du peu de maquillage parce que j'ai pas mis beaucoup de temps pour la coiffure donc pour mon maquillage vous allez commencer par prendre plusieurs choses donc moi j'ai un fond de teint mais comme il m'en reste plus beaucoup ça sert plus trop à rien. J'aurai besoin d'une poudre, une poudre comme vous voulez hein. Moi c'est la Terre d'été fait bronzer toute l'année, Miss Europe Paris, voilà, c'est celle-là. Si vous avez très bien, c'est ça, et puis un pinceau applicateur de poudre. Voilà, comme ça. La marque, c'est pour elle. Je ne connais pas cette marque. Je pense que vous non plus. Après, vous aurez aussi besoin d'un pinceau applicateur d'ombre à paupières. Donc, c'est la même marque que tout à l'heure, donc c'est pour elle. Après, vous aurez aussi besoin d'un lip gloss, d'un petit lip gloss. Vous aurez aussi besoin d'une palette dans les tons très discrets. Donc, c'est les deux seules couleurs qui me restent. Donc, c'est celle-ci et celle-ci. Voilà. Et puis, je pense que c'est tout. Oui, c'est tout. Donc, on va commencer. On va commencer par la poudre, donc on en met très légèrement parce que d'habitude je combine ces deux choses-là et puis ça va très bien, mais là comme j'en ai plus et puis j'ai peur de faire que la moitié de mon visage avec, et on va mettre un tout petit peu. Parce que après ça fait trop. Vous en mettez bien partout. Aussi dans le cou parce que après, pour éviter que ça fasse une délimitation, et ça fait vraiment pas joli. Et si vous pensez que vous en avez trop, vous tapotez comme ça. Et vous enlevez un peu moins. Vous en mettez sur votre front et aussi sur les oreilles. Pas oublier les oreilles. Parce que après. Ça fait une délimitation aussi au niveau de là. Ouais.
Après, vous aurez aussi besoin, ben, je vais appliquer l'ombre à paupières. Donc, je vais prendre le crème. Voilà. Un tout petit peu, pas en grosse dose, hein. Un petit peu. Donc, vous allez en mettre, en fait, sur toute la paupière mobile. Voilà. Et pour le ton un petit peu plus foncé, ça sera du marron glacé. Vous en mettez vraiment un tout petit peu, pas beaucoup. Un tout petit peu, regardez. Et vous en mettez dans le creux, en fait. Et vous montez un petit peu. Donc voilà, après, ben, vous faites la même chose pour votre œil. Vous en mettez dans le creux et vous montez. Après, vous allez mettre du crayon. Je sais, pour la bougeotte, c'est celle-ci qui est la coupable. Ah, j'ai rajouté un peu dans mon maquillage. Donc, vous allez prendre du crayon. Donc, peut-être faire un peu plus cher. Hein? Peut-être faire un peu plus cher. Vous savez. Donc, vous en mettez un tout petit peu, regardez. C'est vraiment pas beaucoup que j'en ai, moi. Voilà. Je ne mettais pas beaucoup, c'est là, ici, donc. Donc, j'ai un léger décalage de mon œil là et de mon œil là. Voilà. Après, vous allez mettre du liner. Donc, le liner, en fait, le truc, c'est d'en mettre de là à là. Mais en fait, moi, comme je suis pas très douée de mes mains, je vais juste essayer de faire un petit cordage. Arrête de me regarder, ça me fait peur. Voilà, donc. C'est pas beaucoup. Pas mal. Voilà. Donc, essayez de veiller que ça soit pareil, mais. Après, je vais faire un léger trait comme ça. Oh mon Dieu. C'est horrible à faire. Bon, voilà. Après, vous allez mettre du gloss. Et j'ai oublié un petit truc. Vous prenez aussi un rouge à lèvres rose. Vous en mettez un tout petit peu, en fait. Juste pour un tout petit truc après. Après, vous allez mettre du gloss pour le dessus. Voilà. Après, vous allez prendre aussi un blush. Attendez, vous ne prenez pas beaucoup. Donc, c'est celui-là que j'ai utilisé. Et vous montez. Et voilà, vous êtes prêts pour aller en cours. Salut!